après ça fonctionne. Donc bonsoir, bonsoir, on réussit. C'est bon. Eh ben dis donc, c'était le coup du deuxième écran et ça m'a fait tout planter et StreamYamps ne voulait plus rien savoir. Ouais, c'était pas simple. Bon, c'était la journée. J'ai fait presque 2000 km de fret qui n'ont pas été comptés. Trackbook, je l'ai relancé bien avant, ça m'a pas compté. Il y a vraiment un souci avec, avec Trackbook. Ça, j'ai peur que la langue, moi, ça fasse ça soit problématique pour les gars, parce que ça c'est décourageant, quoi. Oui, ça va être problématique pour les gars parce que une fois ça passe, deux fois ça passe, mais c'est vraiment problématique. Et surtout que moi je l'avais coupé avant, relancé pour être sûr. Et malgré ça, ben, rien de comptabilisé quoi, donc j'avais un peu les boules. Hier, il était très énervé, ça les énerve. Puis y a pas moyen de, je sais pas comment faire pour éviter ça quoi. Oh, on commence bien la soirée. Dégage de là. Laissez cette femme en paix. T'as des vapeurs pour une pute? Avant de partir, excusez-vous pour votre comportement grossier. T'es malade, le vieux? Dégage avant que je te trucide. Quand vous vous serez excusé, allez voir le capitaine Vincent. Dites-lui que vous êtes un criminel et un salopard. Dégaine, vagabond. J'ai jamais tué un type sans défense. C'était votre dernière chance. Chopez-le! Prends ça! Sur lui. Du coup, il faut
faut aller valider ça. Dégage. J'ai des affaires à régler. Dégage ou je t'égorge comme un chien. Essayez pour voir. Attrapez-le. Oh. Prends ça. Tu passes le bon truc là. Tu oses défier la salamandre? C'est fait, ensuite lui c'est puissant pour ça. Fini. Le serpent d'Escula, quel fou a associé la mue du serpent à la médecine? Toi là, dégage! Pourquoi tant d'agressivité? Déguerpis tant qu'il peut encore. La dame est avec moi. Alors tu vas crever. Je sais pas pourquoi ça bugait, c'est la soirée. Pas bon ça. Je me suis fait mais rétamer. Pour répondre à ta question, Akena, ouais, Kenshi, je vais le streamer, je pense, mais il faut que tu me files un coup de main parce que il est, ça va être énorme comme jeu. Il va falloir du temps, je pense. Dégage de là. Laissez cette femme en paix. T'as des vapeurs pour une pute? Avant de partir, excusez-vous pour votre comportement grossier. T'es malade, le vieux? Dégage avant que je te trucide. Quand vous vous serez excusé, allez voir le capitaine Vincent. Dites-lui que vous êtes un criminel et un salopard. Dégaine, vagabond. J'ai jamais tué un type sans défense. C'était votre dernière chance. Chopez-le! Ouais, ça marche. Ouais, ça. Ah, d'accord. Il me stunt. Voyons. C'est
C'est un gros lag, en fait. Coupage. C'est une espèce de matraque. Hein. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a, Fred? Qu'est-ce qu'il... À propos de quoi il se fout de moi? Il y a à dire, hein? Ah oui. C'était pour savoir à quel sujet. Pour la frette que ça n'a pas été comptabilisé. Ouais, mais ouais, vaut mieux en rire parce que... Du coup, on va sauvegarder parce que du coup, ça, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il m'entend pas? Mais pourtant je parle fort là. J'ai des affaires à régler. Dégage ou je t'égorge comme un chien. Essayez pour voir. Attrapez-le. Je vais te tuer. Reste avancé. Il veut complet, lui. Hein. Petit morceau, c'est quoi ça? Poupée en sucre. J'ai une poupée en sucre. Je l'ai décapité. Ah. Donc après la suite, c'est là-bas. Ok, non, mais c'est pour une quête. Alors attends, si je rate bien l'épée d'argent. Là, donc c'est ça. Alors, ouais, je sais pas combien il en faut, mais pour avoir la suite de chien. Et je sais, je suis obligé. C'est pour, c'est une quête. Je récupère la suite de chien. Le serpent d'Esculape. Quel fou a associé la mue du serpent à la médecine? Personne marché. On se préparait déjà. Toi là, dégage! Pourquoi tant d'agressivité? Déguerpis tant que tu peux encore. La dame est avec moi. Alors tu vas crever. Meurs, sale chien! Quoi? Puissant. Thank you.
W. Aïe aïe aïe. Eh oui, il me stun. Heureusement que je suis entouré. Il me stun. C'est que je vais là. Ah c'est... J'ai le nom de l'endroit, destination. Je vous laisse juger. C'est des choses à récupérer. Étonnant. Carmel. Merci pour votre aide. Ils nous laisseront en paix à présent. Vous êtes seul? Vous êtes fou? Non, les villageois veillent sur nous. Mais ils n'arrivaient pas à mater ces monstres. Je vois. Que préférez-vous? J'ai 200 au Rhin, à moins que vous ne vouliez être payé autrement. Je vais prendre l'or. Comme vous voudrez. 200 au Rhin. Merci. Nous sommes reconnaissants. Les catins ont de l'honneur, vous savez. Ça va impressionner les filles. Elles vous feront un bon prix. Ah, c'est bon à savoir. Verrouillé. Alors, sorti de ce petit intermède olé olé, on va voir ce qu'on peut faire comme quête. Donc là, les bookers aussi c'est tendu. Sur la quête sur Berengar, un dénommé Coleman. C'est tout près. Sur ma droite, Coleman. Ça va
Elle a eu peur. Ça y est, on est décidé. Super. On jette pas ça, ok. Place ça. Ça y est, on est décidé. Passons derrière. Je disais ça pour rire. Mon homme me couperait la tête si j'allais avec vous. Ça vaut peut-être la peine de prendre le risque. Non. La dernière fois qu'il m'a battu, j'ai craché une dent. Au revoir. Ça reprendra. Salutations, Blanchette. T'as du pognon ? Tu veux te battre ? Ça ferait un bon combat. Prêt ? Que la fête commence. Ça va vite. Ouais. Ça c'était pour l'histoire du nerf et de ma mère. C'est pas. Pas de Coleman. Peut-être que c'est lui, mon cognier. Qu'est-ce que tu veux, Mina ? J'ai quelques questions. Tu dois pas savoir à qui tu parles. Un mot de plus. Et avant que tu comptes jusqu'à 3, t'auras 12 enfants de salauds à des bases pour t'égorger. Et avant que vous ne comptiez jusqu'à 3, vous serez mort. Et le loufio montre les dents. Et il mordit aussi. Je pourrais lui trouver un travail d'après. Je vais y réfléchir. Du calme. Je sais comment tu t'es occupé des gars du professeur et des frères Michelet. Je vais te répondre. Quel est votre métier ? Je suis le roi de la pègre. Les putains. Les voleurs. Comment vont les affaires ? Les vieilles putes ont des ailes. Bon, Coleman n'est pas là. Donc on va bouger. Ici c'est notre territoire. Déguerpez. Chef de l'armée, plate. Ici c'est notre territoire. Déguerpez. Ok. Alors, quête. Témoin
de parler aux prisonniers détenus à l'hôpital là. Sens d'orientation quand tu nous tiens. L'hôpital Lebioda, où arrivent tous les pestiférés. Il ressort direction l'ancienne Vizima, puis l'enfer. On ne passe pas. Je veux entrer. À l'intérieur, il y a des malades. Je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité. Chevalière. Vous me faites perdre mon temps. On ne passe pas. Je veux entrer. À l'intérieur, il y a des malades. Je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité. J'ai peut-être pas la bonne chevalière. Sale vagabond. Réfléchissez bien avant de revenir. Comme vous voulez. Je l'ai plus. Chevalier du feu éternel. Anneau d'argent. Juste valeur. J'ai plus la bague. Je vais être obligé de payer. Comme vous voulez. Ah oui, il veut carrément pas. Comme vous voulez. Ah. Ah oui. Ça va aller. Et je... Du coup, je suis bloqué. Pareil.
quelque chose pour lui. J'aime bien ce boulot. Qu'est-ce que tu dis? Les gardes, chez Tanchi, ça pullule. Paraît que ça va tarder. Syphilis, je me demande la question. Non, à demi-sur. Les gardes préparent une rafle. Qu'est-ce que tu veux? À plus tard. Vous avez une chambre. 5 ors. On va attendre puisque Rick se débloque. Les gardes préparent une rafle. Quoi de neuf dans cette cité? Les gars se battent. Il y en a qui prennent des paris. De temps en temps, ils assomment. Au revoir. Thank you.
super, aucune quête. Salutations, nain. Premier mot prononcé, et déjà de la ségrégation raciale. Comment dois-je vous appeler? Ah, les humains ont tout, et nous on n'a rien. Je ne suis pas humain. Et vous êtes quoi, alors? Un sorceleur, un mutant. Toutes mes excuses, je suis Golan Vivaldi. Mon cousin, Vim Vivaldi, a un jour rencontré un sorceleur spécialisé en recouvrement de dettes. Je m'appelle Geralt, et je ne recouvre pas les dettes. Qu'est-ce qui vous amène? Auriez-vous un exemplaire des passages secrets? Oui, mais je ne m'en séparerai pas. J'insiste. Quel est votre prix? D'accord. C'est le passage pour la tour du de l'alchimiste. Qu'est-ce qui vous amène? Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain? J'ai plusieurs suspects, et ce ne sont pas tous des nains. Que voulez-vous? Je vous ai à l'œil. Revenez quand vous aurez recouvré la raison. Je veux vous parler de la salamandre. Pourquoi? L'argent de la caution du professeur venait de votre banque. Je me sens insulté par cette calomnie. Mais... Des générations de Vivaldi ont bâti cette banque, et vous suggérez que notre or sert des fins criminelles? Dehors! Je vous crois. Je n'ai que de forts soupçons pour l'instant. C'est donc un verdict d'innocence temporaire. Vous avez pu oublier vos préjugés raciaux et observer la situation telle qu'elle est. Quand vous aurez débusqué le coupable, dites-le-moi. Je veux savoir qui c'est.
perdu le fil de mes pensées. Je viens pour l'annonce. Vous avez peut-être de la moelle d'Albi? Pas encore, mais je reviendrai vite. Faites vite, j'en ai besoin pour mes solutions. J'ai perdu... Au sujet de la tour. Oui? J'ai de nouvelles informations sur la tour. Racontez-moi, vite! Avant que le mage ne construise cette tour, il en avait bâti deux autres qui s'écroulèrent. La troisième lui servait de demeure et de labo. Je le savais déjà. Rien d'autre? Le mage vécut dans la tour jusqu'à sa disparition. Il est probablement mort. Il créa des golems d'argile qui le servirent, mais il ne s'arrêta pas là. Voilà qui s'accorde avec la légende de la sentinelle. J'ai appris qu'à l'origine de tout cela se trouvent 10 pierres angulaires liées aux éléments et aux fils du destin. Les séphiros. Les vieux parchemins disent donc vrai. L'un des livres contenait des indices sur les emplacements de ces pierres. Il faut trouver les 10 séphiros. J'en possède une, Okma, la pierre de sagesse. Et vous voulez que je trouve les autres? Oui! Près de la tour se trouve un cercle d'obélisques de pierre. Lorsque vous aurez les 10 séphiros, posez-les sur les obélisques. Ah, on s'approche! Quelle avancée décisive! Je rendrai caduques les théories de ces pédants d'Oxanfur! Je les briserai! Je les écraserai! Kalkstein, du calme. Vous devez attendre que je trouve ces fichues pierres et je ne sais pas par où commencer. Les livres restent plutôt obscurs à ce sujet. Désolé. Vous pouvez me montrer ces livres? Je les annoterai pour vous. Tenez. Oh, voilà. Ok, ça c'est fait. On ne passe pas. Je veux entrer. À l'intérieur, il y a des malades. N'auriez pas vu passer un chien avec un foie dans la gueule? Fantastique.
bon. Faut que je le paye aussi. Punaise. Ne vous approchez pas du prisonnier. Ne vous approchez pas du prisonnier. Je veux lui poser quelques questions. Chut, il essaie de parler. Kalkstein, il est... Le prisonnier s'est évanoui. Restez pas là. Il y a du grabuge dans le couloir. Sale bandit. C'est Boucanier qui les a envoyés. Vous avez gagné. C'est vous, Cagné, qui les envoyez. C'est pas bon, c'est pas de verre. Jardin d'hôpital, le mouillard. Ok. Alors, jardinier. Ah,
Je suis tout oui, loup blanc. J'ai vu le prisonnier. Il a été causant. Il n'a pas eu le temps. Les hommes de Boucanier ont attaqué. Bah non. Bizarre. Boucanier a tout intérêt à faire disparaître la salamandre, à moins que j'ignore quelque chose. Javed l'a peut-être effrayé ou corrompu. À vérifier. Vous avez pu tirer quelque chose du prisonnier ? Le prisonnier n'a prononcé qu'un mot. Kalkstein. C'est logique. On a peut-être découvert un des associés de Javed. Kalkstein a pu participer aux expériences. Je l'ai rencontré. Il n'a rien d'un criminel. Il faut suivre toutes les pistes. Au travail. Je vais en parler à mes contacts. Gardez un œil sur Kalkstein. Gagnez sa confiance, qui vous confie ses secrets. Quelle est la prochaine étape de l'enquête ? C'est comme aller à la pêche. De la patience. Je préfère la chasse. Alors gagnez la confiance de Kalkstein. Le mieux serait qu'il vous engage. Et parlez aussi à Boucanier. Et attention, même pas qu'on le chatouille. Je suis tout oui, loup blanc. Quelle est la prochaine étape de l'enquête ? C'est comme aller à la pêche. Je préfère. Alors gagner la confiance et parler aussi à... Salutations. Bonjour. À qui ai-je l'honneur ? Je suis cireur de chaussures. Je décrotte vos choses pour 2 orins. Première visite à Vizima. Si on veut, parlez-moi de la cité. Nous affrontons plusieurs crises sérieuses. Ils ont décrété la quarantaine à cause de la peste. Les écureuils défient l'ordre, les monstres comme le barde l'a chanté, Vizima est un bordel en feu. Je cherche du travail pour un sorceleur. Vous n'aurez pas demandé aux marchands. Il y a aussi des problèmes au cimetière. Y a-t-il des endroits intéressants à visiter ? Notre cité compte nombre de marchands, un alchimiste, un grand hôpital. Je m'intéresse aux brigands, mais d'un genre peu ordinaire. Ils sont... différents. Ils agissent brutalement et efficacement, surtout la nuit. Leur but reste obscur. Dites-moi plus sur la peste. La peste a contraint le roi à décréter la quarantaine. La peste a ravagé l'ancienne Vizima. Mais l'épidémie gagne notre quartier. Et les malades sont transférés à l'hôpital Lebioda. Que pouvez-vous me dire sur l'ordre et les écureuils ? La Scoyettel mène une guerre de harcèlement. L'ordre de la Rose Ardente a pris la place du contre-espionnage. Et la haine contre les non-humains grandit chaque jour. Inutile d'être devin. Vous ne parlez pas comme un cireur de chaussures. Qui ne cache pas un squelette dans son placard ? Je vais me... Mais d'où vient ce racisme ? Mon amie Elda est naine. Et elle n'est pas du tout comme ce qu'on dit des non-humains. Ça me marque ici. Je fais confiance, j'ai tant discuté avec Raymond pour décider comment utiliser cette confiance. J'ai tant discuté avec Ashton. Ashton avec Raymond. Ok.
passé ? Vous ne risquez plus rien. Ça m'étonnerait. Je me suis toujours. Qu'allons-nous faire ? Je les mets sur une fausse piste et vous interrogez les nouveaux suspects. Qui ? Prenez ces notes. C'est la liste de toutes nos pistes de nos suspects. Que comptez-vous faire ? Ils sont sur mes talons. Il faut que je me fasse oublier. Je vais les attirer ailleurs, mais vous devez finir l'enquête tout seul. Et vous retrouverez le moment venu au blanc. Sorceleur. Adieu. Pourquoi je peux la finir ? Adieu. Gérald, c'est bon de vous revoir. Où allez-vous ? À la digue. On ne passe pas. Interdit par le capitaine. Pourquoi ? Ordre du capitaine. Adressez-vous à lui. Messieurs, est-ce ainsi qu'on traite un héros ? Gérald, le sorceleur qui a sauvé Vizima des griffes d'un cocatrix. Un héros ? Ça change tout. Il est comme l'un des nôtres. En ce cas, maître Gérald, veuillez passer. Nous trinquerons à votre santé à la taverne. Merci, Siegfried. Surprise dans les égouts. Un chevalier de la Rose Ardente, couvert de fange de la tête aux pieds. Je travaille toujours seul, mais j'ai été curieux de voir un chevalier en action. Pour un humain, il s'est bien comporté. Il m'a témoigné une gratitude sincère. Yeah.
fatigue. Qu'est-ce que c'est ça? Sont là. L'atelier. Ah, il est là. Il se fout mal en fait. Ouais. Je suis à la recherche des 10 séphiros. Vous vous intéressez peut-être à l'art ou aux bizarreries? J'en ai acheté une qui était censée receler un pouvoir magique. Mais ce n'est pas le cas. J'ai payé très cher un mage pour l'examiner sous toutes les coutures. Accepteriez-vous de me la revendre? Vendre ma tiferette? C'est que j'y suis attaché. Je vous en offre un bon prix. 500 orins? Je ne crois pas qu'elle en vaille autant, mais j'accepte. Je porte la tiferette en amulette. Nous pouvons conclure l'affaire tout de suite. J'ai les 500 orins pour la Séphira. Je cède ma pierre à regret. Si je refusais une... Reste 4. Ouais. Silex. Ok, donc là, j'ai voulu parler. Ouais. Je pense que vous connaissez la salamandre. Je ne sais rien. Nous verrons bien. Je peux retourner à mes affaires? Parlons de vos relations avec la salamandre. Vous avez payé pour la libération du professeur. Pourquoi m'intéresserais-je à un criminel? Pourquoi pas? Et j'agirais si maladroitement que l'on pourrait remonter jusqu'à moi? Je ne vous crois pas. Je n'ai pas de preuves formelles. Je vais donc mettre ça de côté, pour l'instant. Sage décision! Vous devriez suivre votre instinct plus souvent. Questionnez vos colliers. Allez, feu de camp. Feu de camp, il est contrebas. Comme y aller. Alors, t'aimes bien ce que tu vois? Je peux pas, j'ai piscine. Alors...
taverne, c'est pas beaucoup de chance. Hein. Allez-vous, Gérald? À plus tard. Spécial. J'ai du respect pour les audacieux. Alors, j'ai des dés noirs. Alors, attends, celui-là. Est-ce que toujours je peux faire des trucs? C'était... On va mettre en pratique. CCP, c'était le... C'est l'hôpital là. Voilà. Les journées, je pense que ça devrait le faire. De l'hôpital, il faut en prendre une suite. Vous semblez aimer votre métier. Je vous aime. J'adore les plantes, je vous connais bien. J'ai eu une vie sanglante. Alors, je cherche la paix et la tranquillité. Sanglante? J'en suis pas fier. J'ai longtemps gagné ma coupe comme mercenaire. Mais tout ça, c'est du passé. Je suis ici pour l'annonce. Vous avez l'air d'un guerrier. Vous voulez tuer des épinotes? Bien sûr. Apportez-moi leurs épines comme preuve. Regardez comme... Je m'intéresse davantage aux glaives en argent. Ah, je savais bien qu'un de vous autres vendait l'argent. Vous l'avez perdu au dé? J'étais sûr de gagner.
Faut faire attention à l'expert. Il est fort. Où avez-vous récupéré ce glaive? La 50 ça, il y a eu une grande bataille. Tout a été fini. On avait vaincu Nilfgaard. C'est depuis ce jour qu'on est fini. Vous avez récupéré ce glaive pendant la bataille? Oui, il était au sorceleur Cohen. Un gars solide, le mort du coin. Vraiment pas tant. Comme nous tous. Je lui ai promis que je donnerais ce glaive à un autre sorceleur. Avant de mourir, il a marmonné un peu sur lui. Ensuite, il a éclaté de rire. Pourtant, vous l'avez perdu au jeu. Je l'ai caché pendant 5 ans. Et puis, je me suis dit que je reverrai jamais un autre sorceleur. Mademoiselle Chani, qui travaille à l'hôpital, elle l'a connu. Merci. Bonne chance à vous. Racontez-moi vos aventures de mercenaires. Rapportez-moi à manger. Je ne risque pas. La souris. Délicieux. Incroyable, c'est un boulot honnête. Merci. Je peux vous demander des roses en échange? Une couleur préférée? Rouge. Voilà. Regardez comme ça pousse. Racontez-moi vos aventures. Rapportez-moi un... Je refuse. Oh. Regardez comme... La peste... Exactement. Le fond de rose. Jouer au dé? Oui, très souvent. Pourtant... Regardez comme ça pousse. Thank you.
commence à être intéressant les dés. Donc, citadelle. C'est les Baudins. Est-ce que Shani habite ici? Elle est en plein nettoyage et elle n'a que faire d'un vagabond. J'ai rendez-vous. Votre mère ne vous a pas appris les bonnes manières? Elle doit s'en vouloir d'avoir donné le jour à un monstre pareil. Mais... Mettez-vous à l'aise. Au secours. Bienvenue. C'est mon petit tir. Qu'est-ce qu'il vous faut ?
C'est à quel sujet ? Thank you.
boire ça. Et puis c'est quoi d'abord? Du vin. Du vin? Ceux qui appellent ça du vin sont des criminels. Alors c'est quoi? De la pisse de chien. C'est pour ça que je viens jamais ici. Je croyais que c'était la seule taverne de la cité. Je vis dans le quartier des marchands. Mais là-bas, ils ont fermé toutes les tavernes. Vous voulez gagner de l'argent? Vous aviez parlé d'un travail pour moi. De quoi s'agit-il? Je sais où trouver de l'alcool digne de ce nom. Mais il faut un glaive pour le prendre. Il vous faut un guerrier pour boire un verre? Je sais où trouver du vin de Toussaint, vieux de 100 ans. Ça a l'air trop beau. La cave à vin est dans une maison hantée par des monstres. Ça coûtera 200 orins. D'accord. Je reviendrai ici à minuit. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Magnifique. Mais j'ai bu tout l'or qui vous revenait. Je prends une bouteille et je vous laisse le reste en récompense. Pas d'argent, pas de vin. Il faut jamais se fier à un sorceleur. Bienvenue, voyageur. Il paraît que vous achetez des bijoux. Et si c'est le cas? Dites-moi qui achète des écussons de la salamandre ou votre mère ne vous reconnaîtra plus. Laissez-moi. 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 L'emblème de la salamandre, vous connaissez? Souvent vu, mais... Vous feriez bien de tout me dire. Le nom d'Hazard vous est familier? J'ai une règle d'or. Avant de trancher la gorge de quelqu'un, je lui donne un dernier conseil. Ne me menace jamais. N'oublie pas ça. Je veux dire, dans la vie, tout est une question d'image, tu vois? Je veux vous parler de la salamandre. Vos hommes m'ont attaqué à l'hôpital. Du délire. Je les ai envoyés récupérer un de nous. Pourquoi ne suis-je pas convaincu? Rien à foutre que tu me crois ou pas. Dans ce cas, c'est un malentendu. Désolé pour vos gars. La vie est une pute. Et puis on meurt. Maintenant, dégage. Même si je n'ai aucune preuve de votre innocence, je vous biffe de la liste des suspects. Je suis décidé à vous croire. Merci. Mais je vais pas te baiser les pieds pour ça. Si tu trouves cet empas fait de Javed, n'oublie pas de m'en parler. Et si tu tombes sur un de ces sous-fifres, je me ferai un plaisir de le faire parler. C'est Monsieur Maharlov qui m'envoie. Que se passe-t-il? Il a de nouvelles informations. Il veut que vous veniez chez lui le plus vite possible. Merci.
ça c'est... Chargé... Monsieur Maharlov qui m'envoie. Que se passe-t-il? Il a de nouvelles informations. Il veut que vous veniez chez lui le plus vite possible. Merci. Attends, on attend jusqu'à minuit. Jamais les professeurs ont disparu. Mais mieux vaut un qu'aucun. Allons-y. Qui est-ce? Ça ne peut pas mettre à corps. C'est juste un sorceleur. Vous savez que les sorceleurs sont des golems dénués de volonté propre qui obéissent au doigt et à l'œil. Oui. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Je ne lui fais pas confiance. À ce qu'on dit, c'est un enfoiré d'assassin qui a tué... Nous n'allons pas jouer à qui a tué qui. C'est du passé. Intéressons-nous à l'avenir. Votre avenir est compromis. Il ne m'effraie pas avec les menaces en l'air. Assez. Où est Javed? Où sont les secrets des sorceleurs? Répondez à... Vincent, arrête-le! Je ne sais rien. J'étais l'assistant du comptable de la salamandre. Javed a commencé à se méfier de moi. Le professeur? Je ne sais pas, il est parti en mission. Connerie, je vais vous en donner des raisons de parler. Il m'a promis une protection contre mon témoignage. Sur la tombe de ma mère, je sais rien! Arrête-le, t'es de la police! Non, je m'en vais. Et puis, je sais que vous avez participé au meurtre. Tu oses défier la salamandre? Espèce de salaud.
c'est fait. Sur ce, cette petite forêt, on va rester là pour ce soir. Bonne soirée.